commandement. Popo, garde à vous. Popo, garde à vous. Attention pour la montée des couleurs. Ils sont de retour ce lundi 25 avril après deux semaines de repos sans contact permanent avec les différents enseignants. Un moment relativement consacré aux préparatifs des examens de fin d'année scolaire à travers un examen blanc organisé à l'endroit de tous les candidats de ce complexe scolaire Cogito et secondé par des révisions personnelles de la part de ces derniers qui sont tant soucieux de leur avenir. Pendant les congés de Pâques, je me suis exercé dans chacune des matières. En commençant, dans la première semaine, on a fait les examens blancs. La seconde semaine, on a fait des cours de rattrapage. Après ces cours de rattrapage, arrivé à la maison, j'essayais de lire et de comprendre pour pouvoir bien cerner les notions afin de bien mémoriser et utiliser ça en devoir à l'examen. Là où ça pourrait m'aider en fait. J'ai passé mes jours de repos de Pâques en étudiant, en faisant beaucoup d'activités en ES, EST et mathématiques. Actuellement, je suis prêt pour le CEP 2022. Un retour remarqué avec une forte présence de tous les apprenants de la classe de CI au CM2 et de la 6e en terminale ainsi que le corps administratif qui sont d'ailleurs ravis de se retrouver tous sans aucun cas de force majeure enregistrée jusque-là. Je l'ai bien passé, j'ai repris les épreuves, les exercices, j'ai traité quelques exercices. Je suis très content de voir mes apprenants ce premier jour. Je n'ai pas eu de mauvaises informations, ça m'a beaucoup réjoui et je remercie Dieu. Une reprise qui a marqué également sans doute la présence remarquable du personnel enseignant qui sont mandatés à conduire la destinée de ses apprenants afin de bien pouvoir achever la bonne lutte pour laquelle les uns aux autres se sont farouchement engagés. C'est aussi une période où beaucoup de rattrapages ont été organisés. Les professions ont été invitées de part et d'autre et c'est dans la perspective à ce que déjà la fin de ce mois que nous finissions en beauté le programme. C'est enfin parti pour la clôture du second semestre pour ceux du public et le troisième trimestre pour ceux du privé. Une phase qui annonce donc déjà la fin d'année scolaire 2021-2022 de part et d'autre et qui fixera bientôt chaque apprenant. Si ce sont avant les différents examens de fin d'année scolaire.